Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, on fait notre papier design maison. J'aime tellement ça, vous m'avez déjà vu faire. Ça va ressembler pas mal au principe que j'ai déjà fait devant vous, en étampe, en encre. Mais aujourd'hui, je veux un look un petit peu plus messy, comme on dit en anglais, qui dépasse des lignes, qui respire, qui fait très très organique, naturel. Je suis partie du fameux jeu d'étampe Colibri Amical que j'aime beaucoup. Et puis, pour ajouter de la texture dans mes papiers, souvent je prends un jeu ici qui a beaucoup de texture comme Gallery Grunge. Il y en a d'autres, j'ai été chercher cette étampe-là. Au niveau de la palette de couleurs, j'ai été très très tropicale, ça va être beau. Baie des Bermudes avec Copacabana. Ensuite, pour les fleurs, Flamant Fougueux et le marqueur Lèvres Vermeilles. Si vous n'avez pas le marqueur Lèvres Vermeilles, prenez un doigt éponge et votre tampon encreur, ça va fonctionner. Pour le feuillage, limonade à la limette et vert olive en marqueur pour la profondeur. Vous allez avoir besoin au moins de 3 éponges. Oui. Et puis, un doigt éponge avec la peinture blanc givré, la peinture chatoyante. Vous allez avoir besoin également du stylo allégendé. J'ai pris la grosseur 0,5. C'est la plus grosse des deux pointes. Alors, je vous dis tout de suite, je vais le faire en accéléré, j'ai pas besoin de tout vous expliquer. Quand je vais colorier ça avec mes éponges, j'ai choisi, comme je disais, que ça soit messy, que ça soit, tu sais, on dépasse des lignes, c'est pas grave, on veut que ça soit très, très, très naturel. Donc, j'ai pris des grosses éponges, mais si vous aimez pas ça, vous pouvez tout faire ça avec des doigts éponges. Et puis, j'allais oublier, vous allez avoir besoin de votre encre Memento ou bien une encre noire que vous avez déjà à la maison. On y va tout de suite! Alors, vous, comment c'est pas compliqué? Là, il me reste tout simplement à aller prendre un doigt éponge puis venir faire des petits points. Je peux même passer sur les points que j'ai rajoutés à la main. Ça, ça va apporter l'effet d'ancré. Vous savez, les beaux papiers Stampin' Up, là, les papiers spécialité, on les aime parce qu'il y a un côté d'ancré. On peut venir en mettre un petit peu partout, même si on empiète sur les pétales, les oiseaux. Vous avez vu comment c'est lousse, c'est tout croche, mais ça va faire beau. Si vous dites, ah, je suis pas sûre, ça sera pas beau, faites un rectangle, ou prenez un rectangle fait dans un carton, une ouverture, puis promenez-vous. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est assez chargé? Est-ce que ça va faire une belle carte ou c'est trop lousse, comme on dit? Alors, ça va sécher, tout nacré comme ça. Je dois dire que j'ai rajouté sapin ombragé parce que je trouvais pas mon marqueur Baie des Bermudes. Puis finalement, ça fait un beau contraste, je trouve. Regardez, c'est tout croche. Mais finalement, c'est beau. Je trouve, vous me le direz. Alors, avec cette feuille-là, ou une semblable, j'ai fait des cartes très simples. Il m'en manque, là. Je vais vous mettre plein de photos dans quelques secondes. Des cartes plus simples comme ça, celle-là. Toujours gaufrage pour que ça fasse encore plus beau. Le gaufrage sur le blanc, en plus, c'est superbe. Et puis, j'ai sorti mes Edgelits dentelles détaillées et le lot si bien dit avec ces thin lits-là de vœux que j'adore et le jeu des temps coordonnés. Donc,
Je vous laisse tout de suite regarder les autres photos des projets que j'ai fait avec cette belle feuille-là. Dites-moi si vous aimez ça. J'aime ça le savoir. J'aime ça le savoir. Il est où votre intérêt? Qu'est-ce que vous préférez dans ce que j'offre? Alors moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je m'en vais tout de suite couper ça pour en faire d'autres. Et je vous invite à consulter la colonne de droite sur lamagedesetampes.com. Il y a une section papier design maison. Si vous aimez ce principe-là, vous allez aimer ça sûrement. Alors, bonne création tout le monde. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Thank you.